Bonjour tout le monde, je vous appelle pour encore une nouvelle expérience avec un nouveau Michael, l'animateur audio. Mais ce n'est pas lui, je tiens à le préciser. Et donc ce monsieur s'est encore passé pour Michael, et comme d'hab, il me propose de gagner des iPhones et je lui m'explique comment on fait. Il m'explique, voilà, il faut livrer le cadeau, il faut donner tout ça. Le nom complet, le code postal à la ville, tout team quoi. Et là, j'explique, ok, je lui donne un nom, Gérard Lanvin, le pro, l'acteur, complètement, une adresse complètement bidon. Alors il dit, ok, bah le système du jeu, il m'explique, il faut 4 codes d'accès, et je reçois l'iPhone, gratuitement, bien sûr. Et là, il faut appeler, bien sûr, à partir d'un fixe, appelle, mais il faut vraiment, t'inquiète pas, allez. Appelle-moi le numéro. Pourtant, je lui parle, j'essaie de parler un peu avec lui. Je lui dis que les chaussures de Mia sont pas terribles. Il dit, là, il s'en bat les reins complètement. Alors, je lui explique en gros. Je lui donne des codes. Alors, les codes, les voici. Hein, ce sont que des injures. Ah, et là, non, il comprend. Mais il persévère. Je comprends parfaitement. Je comprends parfait quand tu te méfies. Et je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui font des arnaques, comme lui. Mais là, c'est pas pareil. Même que... Si on vous demande d'appeler, vous serez remboursé de l'appart. Ben oui, un appart. J'ai fait un appart. Allez, il persévère encore. Il dit, c'est bon, j'ai bien compris. C'est ça. Non, donne-moi les codes d'appeler samedi, ça ne marche pas. Il dit, tu veux ganger l'iPhone ou pas? Je lui dis, ça ne m'intéresse pas. Allez, pourquoi? Il insiste. Et là, je lui dis que c'est une arga qu'il dégage. Et là, Michael se met à jouer en arabe. Et oui, Michael parle en arabe. Voilà. Si quelqu'un peut traduire ce que c'est, sans souci. Voilà, donc, une nouvelle arnaque supplémentaire. Mais je vous promets un nouveau, il y aura un Cyril Hanouna qui se prépare, ça va chauffer pour lui aussi. Allez, ne vous laissez pas avoir et continuez à foutre plein la gueule à ces arnaqueurs. Salut!